Allez, yep tout le monde, c'est BGK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De base, je ne devais pas vous faire cette vidéo-là, mais bon, on va essayer de se débrouiller avec les moyens du bord. On est actuellement dans un Airbnb sans connexion. Enfin, si connexion, oui, mais bon, la DSL. On est à Paris, donc si jamais ceux qui sont à la PJW, j'y serai le samedi et le dimanche. En tout cas, aujourd'hui, j'ai vu deux abonnés, donc franchement, incroyable, vous étiez super sympas. Un très grand merci à vous. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien vous l'avez vu dans le titre, on connaît la date du prochain DLC. Tout d'abord, eh bien je vous mets le lien du NoSwayer eh bien en description, allez le voir parce que je ne vais pas tout vous citer. En tout cas, je peux vous dire que vous avez un bonus de 2 millions de Jetta dollars si vous terminez les 3 braquages de la fin du monde, donc fuite de données, Bogdan et ensuite un scénario de fin du monde. Donc voilà, et vous avez toutes les récompenses par rapport aux vestes. Je vous en avais parlé dans la vidéo du challenge de braquage, mais allez voir le NoSwayer, ça sera mieux et ça sera mieux dit, puisque je peux louper des choses. On est vraiment sur les moyennes du bord, comme je vous dis, on n'a pas fait de comme d'hab, comment dire, de petits textes, comme on fait tout orchestré. Donc voilà. Ensuite, pour Premium Deluxe Motorsport, les véhicules sont la Sultan RS Classic, la Hermès, le Slur, la Cipher et la Sentinel Classique. Pour Luxury Auto, vous avez la Viserys et la SC1. Le véhicule à gagner au Karmic, c'est la Mamba, donc allez voir. Mais normalement, vous devez vous classer dans les 3 premiers dans les courses de rue pendant 5 jours d'affilée. Alors, sur le podium du Diamond Casino, c'est la Fister Comet SR. Après, vous avez plein de véhicules eh bien, en promotion, comme d'habitude. Donc, vous avez par exemple, on peut citer le badge qui est à 35%. Donc, c'est vraiment les véhicules de la fin du monde, etc. Par exemple, il y a le Volatol. La Kula, le Kanjali, le Tarche, la GT500, la Paria, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir le NoSwayer, ça sera vraiment plus simple. Moi, je vais surtout parler par rapport au, eh bien, au GTA+, parce que vous allez voir que ce GTA+, est incroyable pour ce mois-ci. Je suis sûre que Rockstar, ils ont fait esprit pour qu'on achète, mais bon. Donc tout d'abord, pour la date du DLC, eh bien, c'est très simple, comme on le sait, le GTA+, va jusqu'au 13 décembre, et le 13 décembre, c'est un mardi. Alors attention, soit c'est le mardi 13 décembre, ou soit ça peut être comme l'année dernière, le mercredi. Donc là, en l'occurrence, ça serait le 14 décembre ou le 15 décembre, donc ça serait plutôt dans cette semaine-là. Donc, eh bien, les membres pardon, du GTA+, cette semaine, ont la possibilité d'avoir la statue de Panthère une fois par semaine sur le braquage de Caio Perico. Vous avez 50% de GTA dollars supplémentaires sur les braquages normaux. Donc la flic à banque, sortie de prison, les raids sur les labos humains, etc. Ensuite, vous avez les gilets militaires et casques par balles gratuits, plus le t-shirt et chapeau, Tidai toujours glissant. Ben, la traduction est foireuse du NoSwayer, donc bon, voilà. Vous avez en doublé toutes les courses du LS Karmic et vous avez le bonus de membres supplémentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à ouvrir l'application sur GTA directement pour voir tout ça. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment très abusé qu'ils mettent ce GTA+ comme ça. T'imagines? C'est fou quand même. Après, eh bien, je peux vous dire que vous avez le complexe à moins 42%. Vraiment, on est dégoûté avec la team. On a fait le braquage de la fin du monde la semaine dernière. Et c'est là où c'est en doublé les braquages et tout. Franchement, c'est ouf quand même. Mais après, peut-être que je vous ressortirai une vidéo lundi un peu mieux par rapport à toutes les promotions, etc. Peut-être que je vous mettrai un post, je sais pas. Et à moins 40% aussi, vous avez des améliorations, etc. du complexe. Donc vraiment, je vous invite à aller voir le communiqué de presse. Moi, je vous fais la vidéo surtout par rapport à la date du prochain DLC. Mais vraiment, ouvrez la description, vous allez, je vous mettrai la ligne NoSwayer ou article, je ne sais pas, je vous mettrai le lien en français, j'espère. Sinon, vous faites traduire en français. Bon, pour l'instant, c'est foireux la description, enfin la traduction, pardon. Je mettrai à jour avec le français bien comme il faut. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo à l'improvisation. Au départ, on est parti en facecam, sauf que l'angle de vue n'est pas très ouf. Et Irp, il a mal au bras, à force de tenir le téléphone. Donc voilà, comme je vous ai dit, eh bien, pour ceux qui viennent à la PGW, ça sera au plaisir de se voir. Et puis, un très grand merci encore une fois aux deux abonnés, parce que vous avez été super gentils et super de bonne humeur. Donc ça faisait super plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Insta.
Allez, c'était BGK avec Kirp et avec ma sœur, tous dans la même pièce, c'est incroyable. On se retrouve très bientôt, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo un peu foireuse et un peu à l'impro. A très bientôt, ciao tout le monde.